Bon, ben, bonjour. Pour les raisons évidentes d'animage, j'aime terre. Oh non, c'est souvent des personnes que j'aime terre personnellement, mais ça c'est un détail. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une expérience un peu différente que d'habitude, parce que je vais vous partager mon expérience de meurtrier. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde ignore sur notre métier. Déjà, c'est un scandale, la manière dont on est traité. Hein, on doit se cacher en permanence sous prétexte que les flics nous cherchent, sans compter le salaire qui est seulement à la hauteur de ce qu'on fait. Hein, jamais plus, jamais moins. Et si un jour on est malade, eh ben vous savez quoi, on n'est pas payé. Ah, si ça c'est pas un scandale. Sans compter que le travail est largement supérieur à celui qu'on croit. Les gens, quand ils nous entendent parler de nous, ils voient directement seulement l'acte. Alors, d'accord, il faut accepter l'acte. Mais de là, il y a une tonne de préparation. L'entretien du matériel, le choix du matériel, tout recolter, toutes les informations, tout ça, ça demande beaucoup de travail. Alors voilà, donc je vous témoigne légèrement de trois problèmes. Alors déjà, je vous ai parlé du fait que c'est pas un travail visible. Hein. Tu peux, les personnes qui viennent chercher mes services, il y a un problème, c'est qu'ils doivent me trouver. Sauf que, on a le problème, parce que je peux pas embaucher un seul agent de communication. Ouais, parce que trop, c'est une personne qui va trahir. Et l'autre problème, c'est qu'il faut pas que la police tombe sur les annonces que je poste. Ouais. Donc, déjà là, vous voyez un premier problème dans tout ce que j'ai, c'est la communication. Ensuite, j'ai un contrat. Voilà, j'ai un contrat, tout va bien, je dois tuer quelqu'un. Voilà, il y a une autre question qui se pose. C'est qui est cette personne? Et essayer d'avoir le plus d'informations possible. Alors, bon, bien évidemment, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder. Voilà. Oui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent actuellement. Voilà. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on la va compléter avec son adresse, son nom de famille, sa situation amoureuse, et savoir s'il y a des caméras chez lui. Tout ça sans qu'il se doute qu'il est surveillé. Alors bon, là encore, ça ne doit pas être assez simple. Ensuite, il y a choisir le mode opératoire. Et ça, c'est vachement plus complexe. Parce qu'on peut soit s'orienter dans un meurtre classique, tu prends flingue, tu tires, soit sur quelque chose d'un peu plus exotique. Tu prends une machette, tu le décapites, tu remplis une baignoire d'acide, tu le jettes dedans, tu trouves un sommet d'une falaise et tu le pousses. Alors, l'option de trouver une falaise, c'est pas vraiment pas pratique, surtout quand on doit faire de l'assassinat à domicile, mais encore, j'ai déjà réussi à le faire, donc c'est faisable. Une autre grosse difficulté, j'ai dit, mais c'est qu'on a un travail pas déclaré. Ouais, et le jour où on est à la retraite, on fait quoi? Hein? Parce qu'il y aura de question de toucher l'AVS, le premier, le deuxième et le troisième pilier. Parce que bien évidemment, hein, notre travail n'est pas reconnu. Mais je travaille, moi. Je travaille beaucoup. Et je pense que ben, là, vous avez pu en avoir un petit aperçu. Et après, c'est sans compter l'entretien du matériel, le fait que je dois changer de plan tous les ans parce que la police va le trouver. Vraiment, c'est pas un bon métier. Hein. Je vous déconseille. Meurtrier, c'est pas une bonne situation. Il y a certaines personnes qui croient qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, je vous dis, meurtrier, c'est pas une bonne situation. Aucune chance d'avoir un bon salaire. Ouais, bon, bah, c'était mon cri de détresse pour dire que c'est n'importe quoi. Les meurtriers aujourd'hui sont bien, sont plus du tout assez reconnus. Et il n'y a aucune prétention salariaire dedans. Vraiment, nos conditions de travail sont dégueulasses. Alors vraiment, s'il vous plaît, un peu de respect.